Et salut la nation zombie, j'espère que vous allez bien, c'est Nocif28 et on se retrouve pour une vidéo zombie. Et oui, tous les jeudis 17h sur la chaîne, une nouvelle vidéo zombie. Alors là, j'ai continué une série que je n'avais pas entrepris depuis très longtemps. Malheureusement, je n'avais pas pu finir cette série, c'est les comics zombies. Allez, c'est parti, épisode 4, on s'en était arrêté au 3, c'est reparti les amis. Allez, j'espère que vous allez kiffer, n'oubliez pas le petit like et à vous abonner si vous êtes nouveau. A bientôt! Impossible. Après tout ce que vous avez vu, c'est impossible. Hein? Tu peux me parler ici? On peut te parler tout le temps, Stullinger. C'est juste que je t'écoute pas. Comme quand je t'ai dit de revenir. Je... Quoi? Misty, je préconise de... La horde arrive. Ce qui veut dire... Que nous partons. Tu ne sais pas quelles sont les conditions atmosphériques dehors? C'est une variable complètement inconnue. Nous pourrions suffoquer ou pire. Ou pire? Certainement toujours une option. Mon ami dit que c'est bon. L'ai-je déjà dit? Et puis, ils arrivent. Tu... Oh, Osman est vraiment trop vieux pour ça. Ça va, c'est de l'air doux et respirable. On est vivant, Martin, faisons en sorte que ça continue. Merde, merde, merde! Par là. Faut qu'on voit ce qu'il y a d'autre ici. Il semblerait préférable de... Cours! La science peut attendre! Stullinger, viens! Vous feriez mieux de rester devant vous. J'y travaille! Je... Wow! C'est incroyable! Je suppose, au vu de votre perspective. On n'a pas beaucoup de temps. Faut qu'on rentre dedans et qu'on fasse des tirs croisés pour les têtes pourries. Je l'écouterais si j'étais vous. Mon ami a dit oui. Chacun prend un cabanon différent. Quand ils sont au centre, allumez-les comme il faut. Oui, il a toujours aimé être préparé. Ok, ça, c'est cool. C'est bien de manger quelque chose qui n'est pas pourri ou frétillant. Excellent. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne courent pas après? Pourquoi, en effet? Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce bâtiment. Les zombies font pas attention aux choses intéressantes, n'est-ce pas? Magnifique. Osman espère vraiment que ça marche, car il préfère manger plutôt qu'être mangé. Ce n'est pas vrai. Oui, vraiment étrange. Des zombies avec un sens de l'autopréservation. Je ne vois rien. Ou que les bouffeurs de chair soient partis, ils n'ont pas l'air pressés de revenir. Vous trouvez quelque chose? Il y a un générateur géothermique ici. N'essaye même pas d'allumer le courant! Ça ferait sûrement apparaître des robots tueurs après nous. Et ça, c'est après dîner. J'ai pas besoin de l'activer. Parce qu'il est déjà allumé. Mais je pourrais sans automate mortel. Alors, où diable est Stullinger? Je m'en fiche. Et vous ne croyez pas si bien dire. Regardez. Bordel, mais qu'est-ce que... Vos amis? Ce n'est pas mes amis.
croient que ce monde est leur sanctuaire, comme vous pouvez le voir. Ils se trompent. Je comprends pas. Ceci est une autre dimension. Plus précisément, une où la vie humaine n'a jamais vu le jour. Mais vous avez apporté la vie, et la non-vie, je suppose, humaine ici. Ça a, je crois, provoqué l'effondrement de cette dimension. Ça a commencé quand Maxis a établi cette base. Votre arrivée l'a accéléré. Pourquoi est-ce que tu voulais qu'on vienne ici ? Suivez le vent. Hein ? Regardez. Ceci est pourquoi vous êtes ici. Tu nous as envoyés pour une chasse au trésor ? On peut dire ça. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous faites cela pour moi, vous serez récompensé. Mais cet endroit n'est pas la récompense. Bon ben, finissons-en alors. Non ! Ah ! Putain ! Vous ne le ferez pas seul, vous allez convaincre les autres. Donc, t'es sûr que j'ai pas besoin d'aide de garde ? Je t'assure que l'appareil de sécurité que j'ai pu construire à partir des réserves est plus que suffisant pour nous alerter si les réanimés sont de retour. Donc, on est en sécurité. Non ! On ne l'est pas ! On ne peut pas rester ici ! Notre mission n'est pas terminée ! T'étais où ? T'as failli rater le dîner. Y'a plus de mission, c'est fini. On a de la bouffe, un abri. Martin nous a même donné de l'eau chaude. J'ai pris une douche. Une douche. Ce n'est pas notre récompense. Je peux vous montrer. Vous devez juste m'écouter, je... T'as besoin de manger. Cet endroit est un mensonge. Ce n'est pas réel. C'est... Je peux vous montrer. Mon ami m'a montré. Stullinger, je sais que ça ressemble à un rêve, mais... Me touche pas, toi ! Stullinger ! Ne touche pas cette arme ! J'allais pas la blesser, j'ai juste besoin que vous m'écoutiez. On t'écoute, ok, on t'écoute. Osman pense que vous devriez tous vous calmer. Martin, tu peux baisser ce flingue ? Non. Quoi ? Martin, c'est notre ami ! Il est une menace. Il est fidèle à lui-même, et peut-être à son ami. Il sabotera tout. Mais si nous éliminons la menace, nous sommes en sécurité ici. Et il n'y aura plus de voyage vers la dimension d'origine. C'est le choix logique. Peut-être. Mais je te garantis que tu seras plus là pour le voir. Mais c'est de la folie. On est tous dans la même situation. Ils arrivent. Non. Ils sont là. T'avais dit que les alarmes marcheraient. Elles auraient dû... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être que vous devriez tous partir. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous, Stringer ? Vous auriez dû me laisser régler balistiquement la situation. Je meurs pas ici. Je meurs pas tout court. Vous avez besoin des autres. Oh, qu'ils aillent se faire. Va te faire. Va te faire. Va te faire. Il faut revenir. Il faut que je le tue. Ou... Peut-être pas. Ne faites pas ça. Ah. Stop. Non. 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 Vous ne devez pas endommager le chronorium. C'est bon, je gère. J'ai pas besoin des autres, tu vois. J'ai ton livre magique, je l'ai fait, moi. Oui ! Vous l'avez fait ! Quoi encore ? Le prochain épisode, découvrez qui sont ces mystérieux zombies, ce qu'ils veulent et d'où ils viennent. Vous pourrez également voir la sulfureuse Misty s'énerver et attention, c'est pas beau à voir.